la prière à Saint Padre Pio pour demander une grâce ou un miracle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Padre Pio, toi qui as vécu une vie de foi et de dévotion inébranlable, toi qui as porté les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous tournons vers toi dans notre besoin et notre désir ardent. Tu as été un instrument de la grâce divine, un intercesseur puissant devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, nous te supplions avec ferveur de bien vouloir intercéder en notre faveur. Nous te demandons humblement de prier avec nous et pour nous, de présenter nos requêtes au trône de la grâce divine et d'intercéder pour obtenir la grâce que nous recherchons ou le miracle que nous espérons, si cela est conforme à la volonté de Dieu. Saint Padre Pio, nous te confions notre humble demande. Mentionnez ici votre demande personnelle. Nous savons que tu as été témoin de nombreux miracles de la grâce de Dieu, et nous te demandons de nous aider en ce temps de besoin. Toi qui as répondu aux prières des fidèles avec amour et compassion, nous te supplions de nous aider dans nos moments de besoin. Nous reconnaissons la souveraineté de Dieu dans toutes choses, mais nous savons aussi que tu es un canal de sa miséricorde. Que ta sainte intercession obtienne pour nous la grâce que nous cherchons, si cela est conforme à la volonté de Dieu. Saint Padre Pio, nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de notre Père Céleste, de guider nos pas sur le chemin de la foi, de la paix et de l'amour. Aide-nous à porter nos croix avec courage et à trouver la grâce et la sérénité dans ces moments difficiles. Accorde-nous la force de supporter nos épreuves avec patience, la foi pour persévérer dans l'adversité et l'espérance en la miséricorde divine. Que notre foi soit renforcée, notre amour pour Dieu grandisse et que nous soyons témoins de ta puissante intercession. Ô Saint Padre Pio, modèle d'humilité et de sainteté, nous te remercions pour ton amour pour Dieu et pour nous. Et nous te prions de nous guider sur le chemin de la sainteté, afin que nous puissions vivre nos vies selon la volonté de Dieu. Ô Saint Padre Pio, toi qui as dit « Prie, espère et ne t'inquiète pas », aide-nous à vivre ces paroles dans nos vies. Nous te confions cette prière et toutes nos intentions, avec une confiance totale en la miséricorde de Dieu. Amen. Ô Saint Padre Pio, priez pour nous. Amen. Prière à Padre Pio pour une situation difficile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Padre Pio disait chaque jour cette prière pour tous ceux qui se recommandaient à ses prières. Ô mon Jésus, qui avait dit « en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez ». Cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera répondu. Voilà que je frappe, je cherche et je demande la grâce de faire ici sa demande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.
ô mon Jésus, qui avait dit, « en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Voici qu'à votre Père, en votre nom, je demande la grâce de faire ici sa demande avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Ô mon Jésus, qui avait dit, en vérité je vous le dis, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voici que, m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles, je demande la grâce de faire ici sa demande au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Amen. Prière de Saint Padre Pio. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin catholique à Padre Pio. Ô Saint Padre Pio, fidèle serviteur de Dieu et flambeau de force spirituelle, je me présente devant toi à la lumière du matin, cherchant ton aimable intercession et orientation. Alors que le soleil se lève et qu'un nouveau jour se lève, je demande humblement tes intercessions et bénédictions pour mon voyage. Toi qui as suivi un chemin de sainteté et enduré des épreuves avec une foi inébranlable, tu m'inspires à chercher la volonté de Dieu en tout ce que je fais. Saint Padre Pio, je reconnais ta profonde dévotion et ton amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à commencer cette journée avec un cœur ouvert à sa grâce et un esprit prêt à discerner sa voix. Accorde-moi la sagesse et le discernement
pour faire des choix qui s'alignent avec le plan de Dieu pour ma vie. En cette heure calme du matin, je recherche ton intercession pour mes intentions. Guide-moi, cher saint pas de repos, sur le chemin de la sainteté. Apprends-moi à embrasser l'humilité, l'amour et le sacrifice en imitation du Christ. Fortifie ma foi afin que je puisse faire face à tous les défis qui se présentent à moi, avec courage et confiance dans la providence de Dieu. Alors que je commence cette journée, que je porte ton exemple de prière profonde et d'union avec Dieu dans mon cœur. Aide-moi à être une source de lumière, d'amour et de compassion pour ceux que je rencontre. Inspire-moi à vivre chaque moment avec gratitude et un cœur de serviteur. Saint Padre Pio, je confie cette journée à ta tendre attention. Que ton intercession me guide plus près de Dieu et m'apporte les bénédictions de paix, de joie et de croissance spirituelle. Au nom de la sainteté, je prie. Amen. À présent, demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin et ayez une foi inébranlable qu'il vous sera donné. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous en ayant une confiance totale en sa sagesse et sa bonté. Ô Saint Padre Pio, je suis reconnaissant envers Dieu pour les talents extraordinaires qu'il t'a accordés pendant ton temps sur terre. En tant que moine capucin franciscain, tu as été appelé à t'unir étroitement avec le Christ, souffrant sur la croix, et avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, que tu as encouragée à compter entièrement sur elle. Tu avais la capacité de discerner les pensées les plus intimes des gens. Tu portais les blessures de la souffrance du Christ profondément dans ton cœur. Tu aidais les malades avec le pouvoir de guérison, tu suscitais l'amour pour la Sainte Eucharistie et encourageais les gens à recevoir le sacrement de la réconciliation. Par tes prières, puissions-nous être encouragés à servir et à aimer Dieu à travers notre communauté. Saint Padre Pio, je te demande de prier pour notre nation afin de ramener la paix, réunir les familles et ramener ceux qui se sont égarés vers Dieu. Mon Seigneur, accorde-moi la grâce de la persévérance. Je prie que tu emmènes tout le peuple de Dieu au ciel. Ô Saint Padre Pio, je t'en prie humblement de prier pour moi, afin que je mérite les promesses du Christ. Mon Seigneur et Dieu de mon cœur, toi seul connais et comprends mes troubles. Tu sais combien je crains de te perdre et de t'offenser. Je crains de ne pas t'aimer autant que je devrais et que je le souhaite. Si c'est pour ta gloire et mon salut que je reste dans cet état, alors qu'il en soit ainsi. Je ne suis pas disposé à m'enfuir. Accorde-moi la force de combattre et de recevoir les récompenses promises à ceux qui ont un esprit fort. Ô Dieu, en union avec le cœur immaculé de Marie, je vous offre le précieux sang de Jésus-Christ de tous les autels du monde. J'offre également chaque pensée, parole et action de cette journée. Mon Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'efforce de mériter chaque indulgence possible et de l'offrir avec moi-même à Marie Immaculée. Puissiez-vous l'utiliser pour le bénéfice de votre Sacré-Cœur. Précieux sang de Jésus, sauvez-nous s'il vous plaît. Sainte Marie, pleine de douleur, ayez pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Cher Padre Pio, dans le calme de cette nouvelle matinée, je viens à vous avec un cœur rempli de gratitude et une fervente supplique pour votre intercession afin d'obtenir la santé. Au lever du jour, je cherche votre guidance et votre puissante intercession pour présenter ma humble prière à notre Père compatissant dans les cieux. Vous qui avez enduré des afflictions physiques et compris la douleur, de la souffrance, êtes une source d'inspiration et d'espoir pour ceux qui ont besoin d'aide. Je vous demande humblement de présenter mes prières à Dieu, lui suppliant de me donner le don de la santé. Puissiez-vous renforcer mon corps, mon esprit et mon âme, en enlevant toute maladie ou faiblesse qui m'empêcherait de vivre une vie vibrante et épanouissante. Au travers de votre intercession, que je sois béni de vitalité et de force, qui me permettront de servir les autres et d'apporter gloire à Dieu. Padre Pio,
je confie mon bien-être entre vos mains aimantes. S'il vous plaît, intercédez en mon nom pour que je puisse ressentir sans toucher, guérisseur, et être restauré à une santé complète. Guidez-moi pour prendre des décisions qui favorisent le bien-être, tant pour le corps que pour l'âme. En ce nouveau jour, que je puisse embrasser le don de la vie avec gratitude et joie, sachant que vous, cher Padre Pio, aide à mes côtés, plaidant pour mes besoins. Aidez-moi à vivre chaque moment dans la foi, en me fiant à la providence de Dieu et à son plan divin pour ma vie. Par votre intercession, que je sois béni de vitalité, de force et de vitalité, me permettant de servir les autres et de glorifier Dieu. S'il vous plaît, transformez nos cœurs et nos foyers en un sanctuaire saint où vous présidez et à travers nous, laissez le Sacré-Cœur de Jésus sous votre guidance. Régnez en maître dans les cœurs et les foyers de chaque individu. S'il vous plaît, enseignez-moi comment être humble pour que je puisse faire partie des doux et humbles tels que dirigés dans l'Évangile, à qui Dieu promet de révéler les secrets de son royaume. Aidez-moi à prier sans cesse et à avoir confiance que Dieu connaît mes désirs avant même que je les exprime. S'il vous plaît, permettez-moi d'avoir un discernement pénétrant qui m'aidera à percevoir le visage de Jésus dans les incommodités et les malheurs des personnes qui sont pauvres et qui souffrent. Assistez-moi pendant les moments difficiles et éprouvants, et dans le cas où je trébucherai et tomberai, laissez-moi vivre la joie du sacrement du pardon. S'il vous plaît, remplissez-moi de votre profonde admiration pour Marie, qui est la mère de Jésus et de toute l'humanité. Mère bénie, veuillez m'accompagner dans mon pèlerinage terrestre et me conduire à la terre promise. Là-bas, j'espère rester et contempler la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit éternellement. Ô Mère bénie, cœur rempli d'amour, de compassion et de miséricorde éternelle, vous écoutez toujours nos prières et apportez du réconfort aux affligés et aux tourmentés. En tant que votre enfant, je cherche sincèrement votre intercession auprès de Jésus, votre Fils. S'il vous plaît, recevez mes demandes dans la journée. Votre cœur accueillant nous met toujours à l'aise et nous croyons que vous priez pour tous ceux qui cherchent votre soin. Mère, nous vous prions de bien vouloir intervenir pour nos proches qui sont malades, seuls, blessés ou dans toute situation qui cause l'inconfort. Avec votre aide, Sainte Mère, puissions-nous porter le fardeau de notre vie présente alors que nous nous engageons sur le chemin de la vie éternelle et de la paix avec Dieu. Dieu, tu as béni Saint Padre Pio de Pietrelcina, ton serviteur avec des dons spirituels incommensurables. Pour témoigner de la passion et de la mort salvatrice de ton Fils, tu as gravé sur son corps les cinq saintes plaies du Christ crucifié. Saint Pio a aidé à la salvation des âmes humaines, en utilisant son don de discernement et en travaillant sans relâche dans le confessionnal. Sa célébration de la messe était effectuée avec respect et une profonde dévotion, invitant d'innombrables femmes et hommes à s'unir à Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Je cherche l'intercession de Saint Pio de Pietrelcina avec confiance et te demande de répondre à mes intentions actuelles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père céleste, je suis reconnaissant de m'aimer et également d'envoyer notre Seigneur Jésus-Christ pour me racheter et me libérer de ce monde. Je compte sur ta puissance qui me soutient miraculeusement lorsque je suis faible. Père aimant, je te demande de poser tes mains guérisseuses sur moi. Convaincu que c'est ton désir que je guérisse dans mon esprit, mon corps, mon âme et mon esprit. S'il te plaît, couvre-moi du précieux sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de ma tête à mes pieds, car je te fais confiance. S'il te plaît, enlève tout ce qui ne devrait pas être en moi et arrache toutes les cellules anormales. S'il te plaît, dévoile toutes les artères ou veines bloquées et reconstruis ou remplis tous les tissus endommagés. Que le sang puissant et précieux de Jésus
nettoie toute l'inflammation et l'infection en profondeur. S'il te plaît, laisse la flamme de ton amour guérisseur couler à travers tout mon corps, réveillant les parties endommagées pour fonctionner normalement, comme tu les as créées. S'il te plaît, touche mon esprit, mes émotions et les recoins de mon cœur. S'il te plaît, imprègne tout mon être de ta présence, ton amour, ta joie et ta paix, me rapprochant de toi chaque minute de ma vie. Père, s'il te plaît, donne-moi la force de ton Saint-Esprit et inspire-moi à poursuivre ton œuvre, pour que ma vie glorifie et honore ton nom saint. Cher Padre Pio, en tant qu'individu ayant une profonde admiration pour le Saint-Sacrement, je prie pour nous tous. En tant qu'enfant fidèle de Saint François, je demande humblement vos prières. Je reconnais et honore votre étroite relation avec Jésus, manifestée dans les stigmates que vous portez. Votre patience en temps de souffrance nous inspire et nous cherchons votre intercession. En tant qu'aide aux mourants, priez pour nous et guidez-nous vers une fin paisible. Grâce à votre guidance nourrissant, puissions-nous devenir de meilleures âmes dignes de l'amour de Dieu. Je reconnais votre désintéressement et votre fermeté, votre cœur en or, et je suis inspiré à aimer les autres comme vous l'avez fait. Votre dévotion au très saint rosaire et votre capacité exceptionnelle à aider les âmes en doute et désespoir sont vraiment admirables. Puissions-nous émuler vos exemples d'humilité, de sagesse et devenir des miroirs de la vie divine en tant que personne aimant Jésus dans son état crucifié et étant soumis à la volonté de Dieu, priez pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. À l'aube, je cherche ton aide et ta puissante intercession pour présenter ma humble requête à notre Père compatissant dans les cieux. Toi qui as enduré des afflictions physiques et compris la douleur de la souffrance, tu es une source d'inspiration et d'espoir pour ceux qui sont dans le besoin. Je demande humblement que tu élèves mes prières à Dieu, lui suppliant de m'accorder le don d'une bonne santé, qu'il renforce mon corps, mon esprit et mon âme en éliminant toute maladie ou faiblesse qui m'empêche de vivre une vie vibrante et épanouissante. Padre Pio, je confie mon bien-être dans tes mains aimantes. S'il te plaît, intercède en mon nom afin que je puisse ressentir sa touche guérissante et être restauré à une pleine santé. Guide-moi à faire des choix qui favorisent le bien-être, à la fois dans le corps et l'âme. En ce nouveau jour, que je puisse accueillir le don de la vie avec gratitude et joie, sachant que toi, cher Padre Pio, tu es à mes côtés, plaidant pour mes besoins. Aide-moi à vivre chaque instant dans la foi, en confiant dans la providence de Dieu et son plan divin pour ma vie. Grâce à son intercession, que je sois béni de vitalité, de force et de vigueur, me permettant de servir les autres et d'apporter gloire à Dieu. Amen. Je vous salue, Reine des cieux, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir. Vers toi nous crions, pauvres enfants, envoyant nos soupirs, pleurant et gémissant, dans cette vallée de larmes. Tournez donc vers nous, ô toi, notre avocate la plus gracieuse. Tes yeux de miséricorde, et après cet exil, montre-nous le fruit béni de tes entrailles, Jésus. Ô clémente, ô aimante, ô douce Vierge Marie, prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Amen. Père céleste, en ce nouveau jour que tu m'as gracieusement accordé, je viens humblement devant toi, cherchant tes bénédictions abondantes pour englober ma journée. Merci pour Saint Padre Pio et tous tes saints qui ont fait ta volonté à travers les âges. Seigneur, je reconnais que chaque souffle que je prends est un précieux don de toi. Je remets cette journée entre tes mains aimantes, sachant que tu tiens à mon passé, mon présent et mon avenir. J'invite ta présence divine à me guider et à marcher avec moi tout au long de cette journée. Père, je demande tes bénédictions pour couvrir chaque aspect de ma vie. Bénis mes pensées, qu'elles soient remplies de clarté, de positivité et de sagesse. Bénis mes paroles, qu'elles apportent réconfort, encouragement et espoir à ceux qui m'entourent. Bénis mes actions, qu'elles reflètent ton amour, ta bonté et ton intégrité. Apporte-moi la force de faire face à tous les défis qui se présenteront sur mon chemin, sachant que tu es avec moi. Remplis mon cœur de ta paix, ta joie et ta gratitude, pour que je puisse aborder chaque instant avec un esprit reconnaissant. Aide-moi à reconnaître et à saisir les opportunités que tu mets sur mon chemin, pour faire la différence dans la vie des autres. Seigneur, je remets mes désirs et mes plans, mes ambitions à ta volonté divine. Que tes bénédictions ouvrent la voie vers la réussite, la croissance et l'épanouissement dans tous les domaines de ma vie. Que ta faveur m'entoure comme un bouclier, me protégeant du mal et me conduisant vers ton dessein parfait. Alors que je me lance dans cette journée, que tes bénédictions débordent et touchent chaque personne que je rencontre. Que ta lumière brille à travers moi, pour que les autres puissent témoigner de ton amour et de ta grâce. Je prie pour que tes bénédictions continuent de couler sur moi tout au long de cette journée et au-delà. Au nom de Jésus, je prie humblement. Amen. Padre Pio, priez pour nous. Prière du matin. Seigneur, sois ma force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce nouveau jour qui s'offre à moi. Je te remercie pour les opportunités que tu m'offres chaque jour de grandir, de m'épanouir et de vivre en pensant à toi. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as accordées et pour ta miséricorde infinie dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande de me donner la force de continuer à croire en tes promesses et en ta bonté, même lorsque les épreuves sont difficiles. Je sais que tu es toujours là pour me guider, me protéger et me soutenir dans les moments difficiles. Seigneur, aide-moi à être courageux et à ne pas craindre les obstacles. Donne-moi la force de me lever après les chutes et de continuer à avancer. Donne-moi la force de résister aux tentations et aux influences négatives. Aide-moi à me tenir loin de tout ce qui est mal et à suivre les commandements de Dieu. Donne-moi la force de me rappeler que tu es toujours avec moi, que tu me soutiens et que tu me guides. Aide-moi à être reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu m'as données et à garder l'espoir dans les moments de doute. Seigneur, rappelle-moi que tu as un plan pour ma vie et que tu m'aimes d'un amour infini. Aide-moi à te faire confiance et à suivre même lorsque je ne comprends pas tes voies. Seigneur, accorde-moi la force de t'aimer, de te servir et de te glorifier dans toutes les circonstances de ma vie. Aide-moi à te reconnaître comme mon rocher, mon refuge et mon sauveur. Seigneur, je te confie ma journée et je te demande de me donner la force nécessaire pour te servir, t'honorer et te suivre. Seigneur, donne-moi la force de servir les autres avec amour et dévouement et de faire le bien autour de moi. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur les choses positives de la vie et de voir le meilleur en chaque personne. Seigneur,
que je sois une source de lumière et de réconfort pour toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Seigneur, je m'en remets à toi pour cette journée et je te demande de me donner la force dont j'ai besoin pour faire ta volonté. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection implorait votre assistance
réclamer votre secours ait été abandonnée. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin. Seigneur, je me tourne vers toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une nouvelle journée. Aujourd'hui, je demande ta bénédiction et ta protection sur moi et sur les miens. Seigneur, je me tourne vers toi dans ma faiblesse, cherchant ta force pour m'aider à traverser les défis de ma vie. Donne-moi la force de ton esprit pour affronter les défis et les épreuves de ce jour. Guide-moi avec ta sagesse et donne-moi la force de persévérer. Je te prie de remplir mon cœur de ta sagesse, de ta paix et de ta joie, afin que je puisse vivre chaque jour avec confiance et courage. Mon Dieu, protège-moi et bénis-moi tout au long de cette journée. Renforce mon esprit et mon cœur, et donne-moi le courage de te servir et de servir mes frères. Aide-moi à me souvenir que je ne suis pas seul et que tu es toujours avec moi, me guidant et me soutenant à chaque pas. Donne-moi la force de persévérer dans ma foi et dans ma vie, en sachant que tu es à mes côtés. Seigneur, je te prie également de bénir toutes les personnes qui croiseront mon chemin aujourd'hui. Que nous soyons des témoins de ton amour et de ta compassion envers eux. Donne-nous des yeux pour voir les besoins des autres et des mains prêtes à les aider. Je te demande également de nous donner la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Que nous puissions être remplis de ton amour et de ta miséricorde envers ceux qui nous ont offensés. Seigneur, je te prie de nous aider à nous concentrer sur ce qui est important dans la vie. Que nous sachions mettre notre confiance en toi et non dans les choses matérielles qui ne peuvent pas nous apporter de véritable bonheur. Que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes les autres choses nous seront données en plus. Je te prie également pour toutes les personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui. Que nous soyons sensibles à leurs besoins et que nous cherchions à les aider de toutes les manières possibles. Que nous soyons des instruments de ta grâce et de ta miséricorde envers ceux qui souffrent. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta présence constante dans nos vies. Que nous puissions nous reposer en toi et nous confier en ta bienveillance. Que nous soyons remplis de ta paix et de ta joie, sachant que tu es avec nous, où que nous allions. Seigneur, je te confie ma journée. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin pour remercier Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon tendre Père céleste, je viens te remercier encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi en cette belle journée. Je viens t'exprimer aujourd'hui non pas seulement mes actions de grâce, mais aussi le désir de mon cœur. Père, je désire vivre ta gloire dans ma vie. Pour cela, je viens confesser tous mes péchés de désobéissance à ta parole, de l'endurcissement de mon cœur, de mes propres penchants au lieu de t'être obéissant. Père, pardonne tous mes péchés, mes crimes, mes abominations, et laisse que le sang précieux de l'agneau, sans tache et sans défaut, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse me purifier. Père éternel, mon Dieu et mon roi, je vais renouveler mon alliance avec toi. Je vais marcher à l'écoute de ta voix, dans tes voies et non plus dans les miennes. Ô Père éternel, aie pitié de moi, purifie-moi et lave-moi de toute impureté, de toute mauvaise conscience, de toute culpabilité, au nom de Jésus. Oui, Père éternel, je désire t'obéir. Déverse ta grâce sur ma vie. Déverse ta puissance sur moi. Déverse ton onction sur moi. Une chose que je désire ardemment et demande ce matin, c'est de pouvoir entendre ta voix tous les jours de ma vie et que je puisse t'écouter et t'obéir à chaque fois pour vivre ta gloire, ta puissance dans ma vie. Je me tourne vers toi ce matin, ô Père céleste, toi qui écoutes les prières, toi qui ne rejettes pas ceux qui viennent à toi avec un cœur abattu. Change ma vie, transforme-moi. Que je sois apte non pas seulement à t'entendre, mais aussi à obéir à ta voix à chaque fois que tu me parles. Père, je te remercie pour le pardon de mes péchés et la sanctification de ma vie au nom de Jésus. Puisque je suis pardonné, parce que mon alliance avec Dieu est renouvelée, parce que je suis en bon terme avec mon Père céleste, je brise tout ce qui est arrivé dans ma vie comme conséquence de ma désobéissance au nom de Jésus. Que toute forme de nudité, de crainte, de peur, d'oppression, de manque de paix, de culpabilité, d'inquiétude, des soucis, tout ce qui est contraire à ce qu'apporte Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Merci, tendre Père céleste, au nom de Jésus. Ma vie change à partir de ce jour. Je vais vivre des nouvelles expériences avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité
de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.